Aujourd'hui, notre conférence internationale Sola Group se déroule sur le site d'Alabouchevo, dans la zone économique spéciale Technopolis Moscou, ce qui est le lieu le plus proche du projet mis en œuvre, où nous pourrions organiser un événement. Malgré le fait que la situation politique n'est pas la plus simple dans le monde, notre mouvement et notre idéologie ont permis à nos partenaires de partout dans le monde de venir chez nous. Aujourd'hui, nous avons vu que les partenaires de 16 pays sont venus à la conférence, unis par un seul but, sans crainte, résolvant des problèmes allant des tests de coronavirus au contrôle des passeports. Tout le monde est venu voir les résultats de son travail. Aujourd'hui, nous avons exprimé des chiffres. Il en suit qu'environ 360 000 personnes participent à ce jour à notre projet. À noter qu'il y a 350 personnes qui sont venues à l'événement en personne. Je pense que cette chaleur qu'ils recevront ici à la conférence, ils pourront l'emporter dans leur pays à leurs partenaires. Je suis venue à cette conférence parce que Sola Group nous a donné l'occasion de voir une technologie que nous n'avions jamais vue auparavant et nous a également donné l'opportunité d'augmenter nos revenus. Beaucoup d'entre nous ont investi dans Sola Group et nous avons décidé de venir tout voir de nos propres yeux. En effet, nous avons vu cette technologie. La technologie est juste ici, sur le terrain, et nous l'avons vue. Nous avons touché du doigt cette technologie. Nous prenons beaucoup de photos ici sur place. La conférence doit commencer d'une minute à l'autre, et nous sommes ici pour dire au monde entier que Sola Group est une réalité. Ce que j'attends de cette conférence, c'est que je puisse connaître toutes les nouvelles, voir tous les moteurs et les véhicules, et que cette technologie moderne soit partagée avec beaucoup de gens. Le monde a besoin de cette technologie. Je suis venu ici pour voir la technologie des bobinages combinés de mes propres yeux. Comme vous le savez, rien n'a changé dans le domaine des moteurs électriques au cours des 60 dernières années. C'est ce dont le monde a besoin. En Inde, par exemple, après 2030, tous les véhicules devront être équipés de moteurs électriques. Pour utiliser ces technologies, des gens du monde entier, pas seulement de l'Inde, sont venus aujourd'hui. Cette technologie est moderne et n'a pas d'analogue. On me demande pourquoi je suis venue à cette conférence. Comme vous le savez, nous regardons toutes les nouvelles et les informations dans les aperçus vidéo, mais aujourd'hui je peux voir tous les matériels de mes propres yeux. J'ai aussi regardé le bâtiment du futur BTOI qui existe vraiment, parce que beaucoup de gens pensent que les aperçus vidéo montrent des mensonges. Nous sommes 6 investisseurs à venir de l'Inde, dont l'un est de l'état de Karnataka, son nom est Raju, un autre est de Visakhapatnam, c'est Manjunath Raju. Nous avons également Shridhar, Raushan, Ashok, Janardhan et moi, Anandroy. Je dirais que moi-même, personnellement, mais nous sommes aujourd'hui à deux parce que nous vivons à plein temps dans ce projet et qu'il nous passionne d'une part. Nous aimons être en contact avec des gens, nous aimons les aider parce que c'est ça aussi, parce que nous avons beaucoup de gens qui nous demandent de l'aide et que c'est notre rôle de pouvoir les aider. Bien évidemment, je ne cacherai jamais le côté financier qui nous intéresse parce que nous aussi, on a envie d'évoluer, on a envie d'avoir une vie meilleure. Des conférences de ce type sont très importantes parce que c'est une concentration de gens et cela permet d'apporter de la crédibilité à d'autres personnes qui ont peut-être encore des doutes ou qui pensent que cela n'existe pas vraiment ou que ce n'est pas la réalité, que ce n'est que du virtuel. Or, nous sommes ici en Gérenos et c'est du réel. Oui, je crois que le financement participatif est une tendance et nous sommes dans cette tendance. Cela est dû au développement d'un certain nombre de technologies. Tout d'abord, il s'agit de la technologie informatique. Nous parlons particulièrement de notre back-office automatisé. C'est également le développement des relations internationales, où les investisseurs sont absolument protégés par le droit international et où ils peuvent investir activement et devenir copropriétaires d'une société d'ingénierie russe.
C'est aussi le développement d'un réseau de partenaires qui, grâce à son infrastructure informatique, nous aide à évoluer si rapidement dans le monde entier. À ce jour, des investisseurs de plus de 200 pays du monde participent au projet d'investissement grâce à une infrastructure d'investissement que nous avons créée. Инвесторы больше, чем из 200 стран мира, благодаря созданной нами инвест-проводящей инфраструктуре. Oui, je pense que ce type de projet basé sur le crowdfunding, le crowd investissement, est quelque chose qu'il faut promouvoir, qu'il faut encourager. Il faut plus de projets qui utilisent cette approche, tout simplement parce que ça donne à tout le monde la possibilité de soutenir un projet, d'accompagner un projet et de bénéficier à court, moyen et long terme de tout ce que ce projet peut apporter. Lors de la conférence, ce qui m'a le plus plu, c'est que nous avons pu voir les résultats de cette année, qui a été une année très difficile. Ici, tout est très beau, très bien organisé, très bien entretenu. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que les ingénieurs aient pris la parole à la conférence. Je parle surtout de Victor Arestov et d'André Lobov, des gens que j'admire vraiment. Merci pour toutes les informations qu'ils nous ont fournies. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai été dans différents pays, en Grèce, en Espagne, en Italie, en Croatie. Je peux dire qu'à ce jour, le thème des moteurs à essence ne meurt pas pour rien. Il meurt parce que ces moteurs deviennent économiquement très peu rentables, même meurtriers pour notre planète. Par conséquent, des moteurs avec des bobinages combinés sont non seulement plus économiques, mais aussi plus écologiques. C'est une solution à de nombreux problèmes en Russie. Probablement, c'est également une solution pour tous les pays d'où viennent nos investisseurs qui nous aident. Je décrirai ce qui se passe avec le mot « inspiration ». Parce que j'ai vu les yeux des gens qui ont visité le chantier pour la première fois et ont vu cette entreprise que nous construisons et dans laquelle ils ont investi leur argent. Oui, ils l'ont vu en vidéo et en photo, on leur en a parlé, ils ont tous imaginé à quoi ça ressemblait en direct. Mais quand même, venir ici est complètement différent, je le dis toujours. Voir le projet de ses propres yeux est une émotion complètement différente. Je vois comment les gens réagissent, à quel point ils aiment ce qui se passe et comment ils voient encore plus que tout cela est du réel. Cette conférence internationale a été spectaculaire. Il était important de voir des partenaires de différents pays où notre société est présente, ainsi que de rencontrer des représentants d'autres cultures. J'ai également été impressionnée par les statistiques citées par Pavel Chatsky. En voyant ces chiffres, j'ai réalisé que la société Sovelmash avait un énorme potentiel de production. La construction du BTOI est très rapide. Quand j'ai rejoint le projet, ce bâtiment n'était pas encore là. C'était juste un terrain vide. Et maintenant, derrière mon dos, vous pouvez voir à quoi ressemble ce bâtiment. Il reste très peu à terminer. Nous espérons qu'avec cette information que nous avons maintenant, nous pourrons réduire les craintes et les insécurités des personnes qui hésitent encore à investir dans ce projet et qu'elles saisiront cette opportunité et feront partie de l'entreprise. Aujourd'hui, nous verrons tous un bâtiment qui est construit. C'est comme un produit phare. Il brille, il est encore tout neuf, il est vraiment très impressionnant. De plus, nous avons tous l'occasion de voir ce bâtiment de nos propres yeux, de le toucher du doigt, ainsi que de discuter avec des personnes partageant les mêmes idées. Ce type d'événement est très utile pour tous les partenaires, car beaucoup d'entre eux travaillent à distance et ces événements rassemblent des personnes qui ont la même vision et le même but. Многие партнеры работают удаленно,
Je dis toujours que notre projet rassemble les gens non seulement par le désir de gagner de l'argent, même si c'est une très grande motivation, car le côté financier intéresse tout le monde. Nous vivons tous dans un monde matériel d'ailleurs. Mais tout de même, les gens sont unis par l'idée qu'une fois réunis, quoi qu'il arrive, sans rien demander à personne, ils peuvent manifester leur volonté, réaliser n'importe quel projet à grande échelle et voter pour la mise en œuvre d'une idée. Aujourd'hui, nous voyons que c'est efficace. Nous voyons un bâtiment qui est terminé et qui n'est fait que grâce à des micro-investissements. Donc ça marche, ça inspire les gens sans équivoque. Nous avons beaucoup parlé de cela lors de la conférence. Nous prévoyons d'achever la construction au deuxième trimestre de 2023, puis ce sera le tour de la mise en service du bâtiment, de l'exécution des premières commandes et du début des activités commerciales de la société Sovelmash. En outre, nous attendons l'actionnarisation de la société et en fait, tout ne fera que commencer. La société prévoit de se développer, elle aura ses propres productions et ses partenaires et cela se produira dans les années à venir. Derrière mon dos, vous pouvez voir le bâtiment du Bureau technologique d'études et d'ingénierie. Le travail est presque terminé, comprenez. Il est important de savoir que les efforts de chacun de nous sont investis ici. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement moi qui ai été témoin du travail accompli au cours de l'année. Léomène, Elena et Marta étaient également présents. Il s'agit d'une augmentation d'investisseurs d'Amérique latine qui ont été personnellement convaincus de l'exécution du projet. Je vous encourage donc à vous concentrer sur le projet et à ne pas vous laisser distraire par de nouvelles offres qui ne sont pas sûres et où nous perdrons parce que l'argent ira à des projets qui ne sont le plus souvent que des escroqueries. Cependant, ce que nous voyons ici aujourd'hui n'est pas une arnaque. Nous avons tous les ingrédients pour terminer le BTOI l'année prochaine et commencer la production. Se escapa en otra en otro proyecto que es un scam. Esto no es un scam. Tenemos todos los ingredientes ya para el próximo año terminar totalmente la última auditoría, ser productivo. Maintenant, on se trouve dans le bâtiment de l'administration de la zone économique spéciale Technopolis Moscou sur le site Alabushevo. C'est ici que se tient la conférence internationale Solar Group. Juste à côté se trouve le chantier de Sovelmash et aujourd'hui, beaucoup de gens nous ont rendu visite. Les gens venaient de différents pays. Les représentants des sociétés Solar Group et Sovelmash ont parlé de ce qu'ils ont réussi à faire au fil des ans. Nous avons regardé le chantier, observé les matériels fournis par nos partenaires, en particulier Andrei Lobov. Nous avons regardé des moteurs produits par Viktor Aristov. Bien sûr, la société Sovelmash a également présenté ses développements. Des moteurs à traction, des outils à main électrique, des moteurs intégrés et bien d'autres engins. J'ai eu une très bonne impression. J'ai passé un bon moment. J'ai répondu à vos questions en direct, pas à partir d'écrans de vos ordinateurs ou de vos smartphones. Nous nous sommes serrés la main. Donc je pense que la journée a été un vrai succès. Pour vous peut-être, la journée est terminée. Mais pour moi, elle ne fait que commencer. On revient à notre travail. Et ce n'est pas une blague. Bonne chance à tous et à bientôt. Для вас он, может быть, заканчивается, а для меня только начинается. Поэтому пойдем дальше работать. И я не шучу. Всего хорошего.